Moi, salut tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, mesdames et messieurs, et JPL News TV, rentrer la caillou, dépoutant des voix ça, ou visage ça, ou qu'est-ce qu'on a que, c'est Peterson l'éveillé qui n'a qu'à là. Mesdames et messieurs, nous porter en nouvelle pour là, les capables en bonne nouvelle, pour monde qui t'a espéré joindre bagay ça, et gain l'autre tout qui a dit, ah, moi, m'bah concerné. Mais, attendez, pour moi, c'est une bonne nouvelle, côté que président Biden continue à bailler cadeau. Donc, cadeau ça, m'bah pas la voilà là, ouvrez ça ou bien large pour qu'attendez. On même zami qui poko abonné sur channel qui sont à faire toujours. Ou à joindre nous sur Facebook, sur JPL News, ou à joindre nous sur YouTube et TikTok. Quel que soit à côté ou à l'IA, eh ben, nous là. Donc, tendez bien, mesdames et messieurs. Nous toujours partager en pile information ensemble avec nous dans la communauté. Mais, gardez information comme si ou un petit temps pour nous porter pour parce que nous voulons confirmer ça. Président Biden propose une loi pour accorder citoyenneté à des millions de migrants qui pas gen papier, incluant monde qui gen TPS. Tendez bien, oui, mes amis, ça me dit. Il dit propose une loi. Donc, en nous rentrant dans le moment causé, vous pas dit que le président Biden gen en passe by loi ça. Yo dit que le président Joe Biden les présenter une proposition qui de loi qui visait pour transformer système immigration États-Unis. Initiative ça, les visait pour établir un moyen pour des millions de monde qui vivent aux États-Unis qui pas de papier, yo capable résider dans pays comme citoyen. Donc, yo dit que proposition ça li présenter un changement significatif par rapport avec politique plus strict que Donald Trump lui-même l'était metté. Donc, il dit que, selon acte de citoyenneté États-Unis, proposé par président Biden, il dit que, il y a environ 11 millions de monde qui pas de papier dans le pays, qui a pas de possibilité pour demander un statut légal temporaire. Il dit que, il y a quelques critères que ont envisagé la NAN, par exemple, yo pral vérifier pour ouais est-ce qu'on pas participer dans un criminel, est-ce qu'on pas monde qui te qu'on a metté sécurité pays à en jeu, est-ce que on même tout ou t'es dans pays à depuis 1er janvier 2021. Yo dit que monde qui éligible yo y a capable ensuite mander 4 ans pour 5 ans ça nous relé résidence là, mes chers amis. M vle que nous t'entendez très bien. Yo dit que les dreamers monde qui titulaire et TPS travailleur agricole yo, eh ben yo depuis que yo répond ensemble avec critère ça yo, eh ben yo dit que monde ça yo capable aller mander ça aurait les papiers, eh ben résidence pour 5 ans. Donc mesdames et messieurs, ça me rend que et bagaille ça li mettait gros pal en pile, li mettait gros pal en pile parce que gen pile nèg qui dit comme ça que président Biden vini avec loi ça, proposition de loi ça, de manière à ce que, pour que les capables gagnent élection pour le faire là. Un pilote américain fait qu'on est que, et Jean-président Biden, façon président Biden veut faire là, les pas passé parce que yo pas well comme ça. Mais mesdames et messieurs, nous avons toujours posé une question ça, on t'y parle. Nous avons toujours dit que, pour quelle raison États-Unis, gen tout monde sa yo ki pa gen papier. Gen yon paquet monde ka viv États-Unis ki sou asile. Gen plus que 10 ans sou asile. Genyen ki nan 8 ans. Et gen ki tellement gen pile temps nan asile lan, c'est comme si kounya ou ta di que monde sa yo bon doctorat nan asile. Parce que yo la longtemps. Pour qui raison États-Unis pa fon façon pour que yo capable régulariser situation mondiale? C'est une question que on a posé très longtemps. Bon, on va montrer, on va faire un bagage rapidement. Pendant l'année qui passait là, de 2022 pour arriver dans 2024 là. Un programme que yo mettez, par exemple, programme administration Biden a mettez, avec monde qui traverse les frontières, avec monde qui sous dossier résidence, à regarder pourcentage pour ouais. Ou après que moun ki sou dossier résidentiel, li pa même présenté 1% de moun ka rentré nan pays an ki pral mande asile ou bien ki pral nan TPS ou bien ki nan programme humanitaire lan pour 2 ans. Moun sa yo
Après 2 ans, yo vini légal. Parce que pas gagné rien nan, mais yo du tout. Donc, mes chers amis, sans façon pour me faire connaître que, loi ça, proposition de loi ça, me trouve que, président Biden te devine avec pi bonheur que ça. S'il devine avec pi bonheur que ça, t'as gagné plus de temps, côté que, monsieur te gagné t'as débat, li ou pas connaît, qui ça t'as gagné t'as sorti, parce que, gagné 3 mondes États-Unis qui pague papier. Donc, ou même quand regarde des vidéos ça, priez bon Dieu pour que loi ça ka passer parce que y a un critère fort là depuis 1er janvier 2021. Depuis 1er janvier 2021, t'es prêt dans la cour États-Unis où t'as dit que loi ça passer, eh ben ou pral jouer une possibilité pour ka gagner un petit cas de violence à nourrir les résidences là pour 5 ans et ou gèt a konnen déjà. Après 5 ans, depuis 5 ans arrivé, mes chers amis, ou ka aller mander citoyenneté pour payer pas bon ici. Donc, pas de jouet dans bagay yo sérieux, c'est politique, mais yon nan bagay qui gagne, est-ce que monsieur qui nan congrès yo a quitté loi ça passé? Mesdames et messieurs, ou qu'on est déjà nous-mêmes dans JPL, nous toujours chercher information pour. Merci pour support, merci pour soutien. Pas oublier, mes chers amis, nous comptons sur support chaque grain de monde pour nous capable continuer à grandir. Merci à vous-même qui t'a regardé vidéo ça. C'est un plaisir. Bye bye et à la prochaine.